pu effectuer mes stages au sein d'une MVC, Maison de la vie citoyenne, auprès d'enfants, d'adultes et de personnes du troisième âge, ainsi que dans un foyer de vie auprès d'adultes en situation de handicap. Dans ces structures, l'animateur social fait partie d'une équipe pluriprofessionnelle. Il propose aux personnes accueillies des animations sportives, culturelles ou de loisirs, en lien avec les missions et les valeurs de la structure. Ces propositions sont souvent collectives tout en répondant le plus possible aux besoins de chaque individu. L'animateur social doit créer les conditions pour permettre les échanges et le lien social, en préservant les acquis et en facilitant l'autonomie du public accueilli. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est la rencontre avec l'autre et donc avec soi-même. Établir des relations humaines, proposer des solutions à certaines problématiques, générer une dynamique de groupe ou de projet et surtout y donner du sens. C'est une formation plutôt courte, un an, riche de contenus abordés par des professionnels de terrain, avec une très bonne alternance entre les cours théoriques et la pratique sur des lieux de stage variés, permettant une diversité de projets très intéressante. Il faut une formation au premier secours, généralement le PSC1, pouvoir justifier d'une expérience de 200 heures en animation, sauf si on dispose d'un des diplômes de la liste du référentiel que l'on trouve sur notre site. La sélection passe par une épreuve écrite de 2 heures sur un thème en lien avec l'animation sociale, et ensuite par une épreuve orale portant sur le projet et la motivation. Les objectifs sont d'encadrer tout public dans tout lieu et toute structure, de mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de l'établissement, de conduire une action d'animation dans le champ de l'animation sociale en mobilisant les démarches d'éducation populaire, de mettre en place et de développer des partenariats sur le territoire. Selon moi, le plus attractif, c'est l'alternance entre les sites qualifiants et les journées en centre de formation, la diversité des intervenants et leur domaine de compétences, et enfin, la richesse des propositions pédagogiques, qui vont de l'analyse de la pratique aux accompagnements individualisés, en passant par des travaux tutorés et en petits groupes. Être autonome et savoir prendre de la hauteur. S'accrocher et accepter de cheminer. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est la rencontre avec l'autre. Attends, je vais chier. J'ai essayé de ne pas regarder. Avec une très bonne alternance entre les cours théoriques et la pratique sur des lieux de stage variés. Qui sont... Pardon, je vais fouiller. On reprend.